plus que quelques minutes à attendre. La saison de la pomme au panier est officiellement ouverte. Regardez-moi toutes ces pommes. Elles sont belles et juteuses, prêtes à tomber des branches. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elles sont revenues! My little pony, my little pony. Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois, un brin de tendresse. Ce n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Rassemblement! Alerte rouge à la ferme de la douce pomme. Je vais avoir besoin d'un coup de sabot ou de griffes. Et vite! Calme-toi, Applejack. Que je me calme? Comment veux-tu que je me calme? C'est une catastrophe! Les roussettes vampires viennent d'attaquer la ferme de la douce pomme. Mais je croyais que les roussettes ne sortaient jamais du verger de l'ouest. Les roussettes, oui. Mais là, on n'a pas affaire à des chauves-souris ordinaires. Ce sont des roussettes vampires. Et il n'est pas question que je les laisse planter leur croc dans ma superbe pomme de la victoire. Wow! Génial! Ça, c'est notre ticket d'entrée pour le grand concours agricole d'Appelousa. Vous imaginez toute l'énergie qu'il faut dépenser pour faire pousser une pomme aussi grosse? Applejack, quand tu vois grand, tu vois vraiment super grand. Mais les roussettes vampires vont la faire ressembler à un raisin sec. Oh, je suis certaine que si tu leur dis à quel point tu tiens à cette pomme en particulier, elles n'y toucheront pas. C'est ça. Essaie pour voir. Excusez-moi, mesdames les roussettes vampires. Mes amis et moi, on se demandait si, par hasard, vous accepteriez de ne pas toucher à cette grosse pomme. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Oui. Oh, mais ça voulait peut-être dire non. Ce sont les toutes premières roussettes vampires que je rencontre et, eh bien, je vais avoir besoin de temps pour vraiment comprendre leur langage. En attendant, ces piques assiettes de roussettes gloutonnes et nuisibles vont dévorer ma pomme de compétition. Et tant qu'elles y sont, toutes les autres pommes du verger. Ces maudites chauves-souris ne sont rien qu'une bande de monstres. Des monstres? Oh, tu es un peu dur là, tu ne crois pas, Applejack? Non, je ne crois pas. Ces chauves-souris sont de vrais vampires. Elles ne sont bonnes qu'à tout détruire. Il y en avait tant des pommes ici, mais en deux temps trois mouvements, elles ont tout englouti. Elles ne se préoccupent de rien, de rien, ni de personne. Et je n'aurai plus aucune pomme en automne. Mais attends un instant, il faut se mettre à leur place. Je me dois de les défendre. Tu ne vois que la surface. Ce sont des papas et des mamans qui s'occupent tendrement comme nous de leurs enfants. Oh non, s'il te plaît, ne recommence pas. Tu es trop gentil pour ces monstres-là. Le verger n'est pas leur restaurant. Se demande parfois ce que je ressens. Non, jamais. Voilà la vérité. Ces chauves-souris n'ont aucune dignité. Excuse-moi, je ne suis pas d'accord. Elles s'aident entre elles et elles s'adorent. Par elles, les graines sont dispersées. Si tu les aperçois, va vite te cacher. Elles sont maléfiques, faussées, rusées. On n'a qu'à voir l'état de mes pommiers. Elles aident les arbres à devenir grands et forts. Elles ont détruit les arbres sans aucun remords. J'avoue, je n'ai plus aucun doute. Chassons cette vermine coûte que coûte. Et je suis d'accord avec elles. Elles doivent partir à tire d'elles. Tout est
rien à rajouter. La coupe est pleine, on va les chasser. Qu'elle s'en aille, ces chauves-souris. Qu'elle s'en aille, qu'elle s'en aille, qu'elle s'en aille, ces chauves-souris. Qu'elle s'en aille, qu'elle s'en aille, qu'elle s'en aille, ces chauves-souris. Qu'elle s'en aille. Oui, tout est dit, y a rien à rajouter. La coupe est pleine et on va les chasser. Je regrette Fluttershy, mais je pense que les arguments d'Applejack ont plus de poids. Je dois dire que ces roussettes vampires sont tout simplement affreuses. Bon, on va rassembler ces roussettes et les empêcher de ravager mon verger. Rassemblons toutes les roussettes. Excusez-moi, mais et si au lieu de les rassembler, on leur laissait une partie du verger? T'as une chauve-souris au plafond ou quoi? Si elles sont là, c'est juste parce qu'elles ont faim. Si on leur construit un abri rien que pour elles, elles pourront se nourrir de leurs propres pommes. Après quelques temps, elles t'aideront même à avoir un meilleur verger. Les roussettes vampires ne mangent pas les pépins des pommes. Et quand elles les recrachent sur le sol, elles font pousser des pommiers qui donnent encore plus de fruits. Écoute, Fluttershy, ça a l'air très sympathique tout ça. Mais le problème, c'est que chaque seconde qu'on passera à construire ce fameux abri, elles la passeront à détruire mon beau verger. Tu ne sais pas comment c'était la dernière fois qu'il y a eu une invasion. Mais Granny Smith m'a raconté tellement d'histoires là-dessus que j'en fais des cauchemars rien que d'y penser. Granny dit qu'on a perdu une grande partie du verger cette année-là. On a dû rationner les pommes pendant tout l'hiver. Quel jus de pomme alors? Il y avait encore du jus de pomme! Pas une goutte. Pas de jus de pomme! Pas de jus de pomme! On doit mettre ces monstres dehors et on doit les faire tout de suite! Si Granny Smith n'était pas partie avec Big Macintosh et Apple Bloom pour assister à la foire agricole, c'est exactement ce qu'elle nous dirait de faire. Je regrette, Fluttershy, mais je crois qu'Applejack a raison. Si seulement il y avait un moyen de les convaincre de ne pas manger cette pomme. Ah, mais il y en a peut-être un! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un sort qui enlèvera aux roussettes vampires l'envie d'aspirer le jus de nos pommes. Mais si on veut que le sort fonctionne, il va falloir que les roussettes m'accordent toute leur attention. Oh non! Fluttershy, tu dois lancer ton regard à ces chauves-souris. Oh là là, je ne sais pas trop. Où est le problème? Ce n'est pas la première fois que tu vas utiliser ton regard. Je sais, mais ce n'est pas un pouvoir que j'utilise à la légère. J'ai fait le serment de ne m'en servir que lorsque la situation est alarmante. Cette situation est très alarmante pour moi. Pour moi aussi. Pensez au jus de pomme. Par pitié, mes amis, pensez un peu au jus de pomme. Non, désolée. Je n'aime vraiment pas l'idée de priver à jamais les roussettes vampires de ce qui fait d'elles des roussettes vampires. C'est vraiment trop méchant. Mais si on ne le fait pas, il ne restera plus une seule pomme pour les habitants de Poneyville. Ce n'est pas méchant aussi, ça? Alors, qu'est-ce que tu as décidé, Fluttershy? Tu vas lancer ton regard à ces roussettes, oui ou non? D'accord, je vais le faire. Excellent choix! Je savais que tu ne choisirais pas ces affreuses chauves-souris. Oh! Elles ne sont pas affreuses. J'offre la première tournée de jus de pomme. Attends une seconde. On doit d'abord rassembler ces parasites volants. Pas de temps à perdre. Je crois qu'on les a toutes. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est lancer ton regard. Vous êtes sûre que je dois vraiment? Très bien. Je tiens à vous dire que je m'en veux vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'espère que vous pourrez me pardonner.
C'est à toi de jouer, Twilight. Très bien. Qu'un seul moyen d'en être sûr. Mes pommes sont sauvées. On va boire du jus de pomme pendant tout l'hiver. Je te remercie pour ton aide. Je n'aurais jamais réussi sans toi. Oh, ce n'est rien du tout, Applejack. Franchement, ça m'a fait plaisir. Maintenant, on n'a plus qu'à se débarrasser de cet oignon pour que je puisse secouer les pommiers demain matin. La pomme au panier, acte 2. C'est l'heure de ramasser ces belles pommes bien juteuses. Le sort n'a pas marché. Ça, je le vois bien que le sort n'a pas marché. Je crois qu'il va falloir prendre des mesures plus sévères. Tu as raison, Applejack. Suivez-moi, les amis. On va retrouver ces roussettes vampires. Une petite minute. Ce ne sont pas ces chauves-souris qui ont aspiré le jus de mes pommes. Mais si ce ne sont pas les roussettes vampires qui mangent nos pommes, qui d'autre? Fluttershy, c'est toi, notre experte en animaux. Tu connais une autre créature qui a pu faire ça? Non, désolée, je ne vois pas. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution. Attraper le coupable, la main dans le sac. Et comment veux-tu qu'on s'y prenne? On va se cacher. Minuit, l'heure du crime. On ferait peut-être mieux d'abandonner. Je ne sais pas pour vous, les amis, mais moi, j'ai vraiment, vraiment faim. Oh, Fluttershy, tout va bien se passer. N'oublie pas, très chère, nous allons l'attraper toutes ensemble. C'est ça! Personne ne sortira de ce verger avant qu'on ait résolu le mystère. Compris? Compris! Vous avez tout votre signal lumineux? Surtout, n'oublie pas, Pinkie Pie. Ne déclenche ton signal que si tu vois quelque chose de suspect. J'ai compris! Quelque chose de suspect! Qu'est-ce que tu fais? Très bien, maintenant on se sépare. Chacun patrouille dans une partie du verger. Quelqu'un ou quelque chose aspire le jus de mes pommes et il se trouve là, quelque part. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai un très mauvais pressentiment. Cette pomme, elle a l'air si juteuse et sucrée. Qu'est-ce que c'était? C'est suspect. C'est le moment de lancer le signal. Je suis sûre que je n'ai pas à avoir peur de cette ombre qui est passée au-dessus de ma tête. Peut-être que je devrais avoir peur. Je ferais bien d'aller voir comment Rainbow Dash s'en sort. Qui va là? Répondez-moi, ou vous le regretterez. Bien, c'est vous qui l'aurez voulu. Prends ça! Espèce de... d'épouvantail. À
Appelle Jack, que se passe-t-il? Les poneys, même les chauves-souris vampires. Mais peut-être que les poneys vampires mangent les autres poneys. Je n'ai pas envie de prendre de risques. Comment est-ce arrivé? Voilà ce que je n'arrive pas à comprendre. Je crois qu'en fait, c'est de notre faute. De notre faute? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Regardez, ça c'est moi. Là, les chauves-souris et Fluttershy qui lance son regard. Le sort devait affecter directement les roussettes, comme ça. Mais apparemment, la magie a rebondi. Elle a coupé l'appétit bien connu des roussettes vampires et l'a transféré dans le corps de Fluttershy. Allez, on va la guérir en annulant le sort. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Allons sauver Fluttershy avant qu'elle nous dévore tous! Flutter! Oh! Je n'arrive pas à croire qu'elle nous ait semés. Oh, Fluttershy, où es-tu? Oh. Attention! Wow! Si elle continue, toute ta récolte va disparaître en un rien de temps. Ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon amie. On ne la retrouvera jamais si on n'arrive pas à la coincer pour que je puisse annuler le sort. La voilà! Et la voilà qui repart! Oh, on n'y arrivera pas. Je crois que la seule solution pour l'attraper, c'est de trouver un moyen de l'attirer vers nous. Mais même si on arrive à l'attirer vers nous, comment on va la forcer à rester tranquille assez longtemps pour que tu annules le sort? Oh, si seulement Fluttershy était là pour lancer son regard à Flotte Vampire! Oh, mais bien sûr! Très bien, on va récupérer notre ami. Tous en position! Tu vas pouvoir dire adieu à la première place de la foire agricole, hein? Ça y est, elle arrive! J'en étais un. Oui, tu en étais un. Mais je n'ai
n'avez pas essayé de manger des poneys? Oui! J'ai essayé? Non! Je n'y comprends rien. Moi non plus. Et pourtant, j'ai tout vu. Fluttershy, je te demande pardon de ne pas avoir écouté tes conseils dès le début. Et n'oublie pas, maintenant, tes pépins de pommes vont donner des arbres plus grands et plus résistants. Ça veut bien dire ce que je crois que ça veut dire. Oui, plus de jus de pomme. Bon, voilà, j'ai raconté le sort, Fluttershy qui se transforme en roussette, la construction de l'abri. N'oublie pas d'écrire que j'ai bien retenu la leçon et qu'en refusant de voir plus loin que le bout de mes naseaux, j'ai mis tous mes amis en danger. Et qu'il ne faut pas laisser les autres nous forcer à faire quelque chose que l'on trouve injuste. Eh oui, même à ses meilleurs amis, il faut parfois savoir dire non. Bon, et si on fêtait cette belle leçon d'amitié en dégustant une bonne pomme bien mûre et juteuse? Enculé! Je vais sucer le jus de cette pomme! Ha ha ha!